bienvenue sur ma chaîne Soso Passion d'épée. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, unboxing, partenariat avec la compagnie A Diamond Painting. Eux, ils offrent plusieurs diamond painting, etc. Mais ils offrent tout particulièrement des paquets surprises. Donc, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils offrent des paquets de 3, de 5 ou de 10 toiles surprises. Donc, ça peut être des diamants ronds, carrés, des diamants en strass et diamants spéciaux. On ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, je n'ai pas choisi rien du colis d'aujourd'hui et je n'ai pas choisi la quantité de toile non plus. À la grosseur du paquet, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a 3 au toucher. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'espère que ça va être des trucs que j'aime. Puis sinon, écoutez, s'il y a des trucs que j'aime moins, ben je vous les ferai tirer, tout simplement. Pour vous remercier d'être là, puis pour vous remercier de... Oups! De me suivre et... Pourquoi pas pour vous faire profiter d'un partenariat. Alors, effectivement, il y a 3 toiles. Je vais y aller complètement au hasard parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, on va ouvrir ceci. À première vue, c'est en col double face. C'est curieux. Regardez, ça c'est leur logo. Moi, ben, pour ceux qui commencent à me connaître, j'aime les surprises. Donc, je trouvais le... Ah, je viens de voir, c'est quoi ça? Je trouvais le concept le fun. Puis, j'ai vraiment été dans l'optique de me dire... S'il y a des choses que j'adore, c'est cool, je les fais pour leur montrer. Et s'il y a des choses que personnellement j'aime un peu moins ou que je pense qu'ils pourraient vous plaire, ben je vais vous en faire profiter. Ça va me faire vraiment plaisir et je vais payer là, les frais de livraison. Donc, voilà. C'est comme j'ai dit, en col double face. Oh là 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 là! Oh! Attendez. Il y a 2 stylets. C'est transparent, pailleté. Il y a une barquette blanche avec le petit embout, 2 carrés de cire et des sachets zip. C'est quand même déjà mieux que les toolkits de base. Là. Ouh là là! C'est des diamants carrés. Et c'est... I love you latte. Pour ceux qui aiment le café, là, regardez. On va la regarder ensemble. Bon, on va essayer de voir comme ça. Les diamants. C'est très difficile à évaluer vite comme ça des diamants. Là. Il y a une... feuille de... Bon, je vais vous montrer, là. Oui. Puis le petit. Alors, on va commencer par le commencement. Il y a une feuille de route avec... C'est une 30 par 40. Il y a les symboles, les codes DMC, le nombre de paquets et les quantités nécessaires. Donc, on peut évaluer s'il manque rien, là, faire un check-up. Et voilà. On va essayer de regarder un sachet de diamants. Bon, c'est sûr que c'est pas... c'est pas les carrés les plus tip-top, mais je sais pas. On va voir à la pause, comme d'habitude.
que voilà. Ça, j'en ai beaucoup. Ça, c'est pour les diamants. On va regarder l'image. OK. Je vais commencer par enlever les quatre coins. Voilà. Donc, c'est une petite toile en diamant carré. C'est l'occasion à tout jamais de tester du noir carré pour une compagnie comme ceci. Il y a quelques mini rivières. Ouais. Ben écoutez, ce qu'on va faire. Attendez, il me faut ma spatule. Je sais pas où. Bon. Ce que je vais faire, là, dites-moi si elle vous intéresserait. Ceux qui seraient intéressés à la voir, dites-le moi. Et entre vous, sous la vidéo, je ferai tirer la toile. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ceux qui seraient intéressés, vous dites, je serai intéressé par la toile en diamant carré et je ferai un tirage là, parmi vous. Tiens, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme je dis, là, il y a un peu de rivière, mais ça s'arrange. Puis, c'est des diamants carrés à tester. Là. C'est tout simplement, surtout que c'est pas vraiment... design que moi j'aurais voulu choisir, mais si ça intéresse quelqu'un, ça va me faire plaisir d'y envoyer là. Juste à me le faire savoir. Et voilà. Donc j'y touche plus pour pouvoir l'envoyer. Je vais la remettre dans son paquet tantôt. Et voilà. Alors. Oh, avec le toolkit, c'est bien important. Et voilà. Alors, j'en pige une autre au hasard. Oh! Elle m'a l'air jolie. Je ne la montre pas tout de suite. C'est une 30 par 40, elle aussi. Encore double face encore. J'avais même pas checké si elle collait bien. Je te dis. C'est des diamants ronds. Excusez. Voilà, je vais la. J'espère que c'est pas des rivières. On va regarder ça après. Il y a le même toolkit, là. Deux stylets. Plusieurs sachets, une barque, un plateau blanc et de la cire. Et c'est des diamants ronds. Je vais vous les montrer comme ça. Ils ont l'air très bien. Ceux-là, je peux vraiment dire qu'ils ont l'air très bien. Mais il y a énormément de couleur foncée, oh my god, il y a beaucoup de noir. OK, je vais enlever les coins. Ah, il y a des petites rivières. Ouais. Je sais pas pourquoi qu'il y en a qui font des rivières facilement. Puis il y en a que ça fait pas de rivière. Je vais vous montrer l'image. Ce sera pas long. Et voilà. Hop là, hein? Faudrait peut-être que je recule.
Et voilà, c'est une petite... je sais pas si c'est une danseuse ou... je vais vous montrer l'image après. Mais j'aime bien. C'est tout dans les tons de turquoise. J'ai trop... Il y a encore un fond complet en noir, mais c'est des diamants ronds. C'est un petit peu moins pire. Je vais essayer de vous montrer, regardez l'image. C'est quand même très joli. C'est une fille de dos dans une magnifique robe pailletée. C'est joli. C'est joli. Il y a des rivières, celle-là aussi, mais c'est vraiment un peu moins pire, là. C'est vraiment des mini rivières qui sont faciles à régler, là. Je vais mettre ça. Celle-là, je pense que je vais la faire quand même que je teste un produit, tu sais. Donc, celle-là, je vais la garder pour la faire éventuellement. Je ne suis pas une fan des blocs, mais en diamant rond, ça me dérange un peu moins. Donc, celle-là, je vais l'aplatir. Et vu que la feuille de route, j'ai pas besoin de rien écrire dessus. Par contre, oui, il faut que j'écrive juste un petit... Ah! Diamond... Bending. Pour savoir ça vient d'où. Il m'en reste une. Qui est une 30 par 40 encore. C'est quoi ce truc? Ouais. Je pense que c'est parce qu'ils sont roulés, pliés. Regardez. T'sais, ben pourtant, il y en a plein de compagnies qui font ça. Je sais pas. Ah, parce que d'habitude, c'est pas en double face. Haha. Voilà. Malheureusement. Ah! Oh, des diamants ronds. Le même joli toolkit. Des diamants ronds. Il m'a l'air d'avoir des bleus magnifiques. Dans cette toile qui est toute comme gris bleu. C'est quoi? Oh! Regardez. Oh. On dirait c'est une chouette. Il y a deux chouettes même. C'était une scène d'hiver avec une femme tout en blanc. On va regarder si ça ressort bien en 30 par 40. Bon, donc, le problème est le même, là, comme tantôt, là, les mini-rivières, évidemment, parce que c'est plié, roulé plié. Il a l'air d'avoir quand même pas mal de couleurs. Il y a deux légendes, mais les deux sont en haut. Oh mon Dieu, ça craque. Excusez, ça colle en titi, par exemple. Et voilà, dans le retour caméra, la chouette a l'air de vraiment bien ressortir. La femme, je peux pas... dire. Ben, dans le retour caméra, elle a l'air pas pire. C'est pas... c'est ça. C'est pas nécessairement une image que moi, j'aurais choisie. Comme j'ai dit, j'aime les surprises, mais en même temps, ça me dérange tellement pas que ça me plaise un peu moins parce que si ça plaît à quelqu'un, juste à me le dire, pareil comme tantôt, on va dire, admettons, que vous me dites « Je suis intéressée par la toile avec la chouette. »
La toile d'hiver avec la chouette, mettons. Tous ceux qui me disent ça, je vais faire un tirage entre vous, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous l'envoyer. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, sur les trois toiles, ben, c'est le fun pour vous. C'est sûr que, comme je dis, il y a des petits problèmes, là. Je vais remettre le toolkit, ouais. Comme j'ai dit, là, il y a le problème qu'il y a des mini-rivières. Puis les carrés, je peux vraiment pas vous dire, là, je sais pas si c'est des beaux carrés. Mais sinon, ben, écoutez, ça fait quand même des petites toiles gratuites à gagner. Attendez une petite seconde. Bon, on va les ranger après, là. Donc, ça fait quand même des petites toiles gratuites à gagner. Je vous remontre. Il y a celle-ci, là. On va dire la toile d'hiver avec la chouette. Et celle-ci, la café en diamant carré, on va dire ça. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, dites-le moi, puis je vous ferai tirer là, la petite toile. Et je vais quand même faire une en diamant rond là, pour vous donner un retour sur les diamants, sur le retour d'image et puis aussi pour savoir si... les rivières ont été faciles à réparer, là, tu sais. Donc, je vous dirai ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de répondre. Et puis, ben, on se revoit très, très bientôt. Bye, bye!